Dis-moi, Linda, tu peux me passer un peu de ton lait parce que j'en ai plus. Oui, tu n'as même pas besoin de demander. Merci. C'est de t'amuser avec tes petits canards qui te fait rire comme ça. Maintenant, je repense au rêve que je faisais cette nuit. C'était hyper rigolo. Mm-hmm. Ah ouais, c'était quoi? On était tous transformés en toutes petites souris et on se retrouvait dans un labyrinthe dans lequel il y avait un morceau de gruyère caché et il fallait le chercher pour le manger. Ah, dis-moi, c'est plus un rêve, là, c'est un dessin animé. Mais le plus drôle, c'était en fait la méthode que chacun a utilisée pour le trouver, ce petit morceau de gruyère. Ah ouais? Et qu'est-ce qu'on faisait? Mais vous dites pas. Lali, par exemple, elle était assise dans un coin en train de crier pour que quelqu'un lui apporte le morceau. Attends, je continue. Je parie que Linda est en train de faire des calculs monstrueux pour savoir la surface du labyrinthe. Non, c'est pas ça? Et moi, je continue. José, lui, il essaie de démolir tous les murs en tapant. Et c'est toi qui lui dis qu'il fallait qu'il se calme et tu l'as mené sur le bon chemin. T'es sûr que c'est un rêve? Ben oui, je crois. Et moi, qu'est-ce que je faisais? Toi, tu t'es avancé tout doucement en reniflant pour éviter le piège. Ça m'étonne pas. Et alors, Jimmy et toi? Jimmy et moi, on n'avait rien du tout à faire de ce petit morceau de gruyère. On s'est mis dans un coin et on se faisait plein de bisous. Oh, en effet, tu n'as pas dû t'ennuyer, toi. Tu sais ce que tu viens de faire, en fait? Nous décrire le comportement de chacun. Moi, en tout cas, je me suis réveillée avec une maille de tête. Pas possible. Tu sais pourquoi? Je suis sûre que c'est à cause des calculs, Linda. Oh, comme je suis désolée. Bon, alors, qui a eu le petit morceau de gruyère pour finir? Malheureusement, je me suis réveillée tout trop. Quoi? Je suis certaine que c'est Lali qui l'a eu. C'est vrai, à force de crier, elle a dû nous ennuyer, puis on a dû lui apporter le petit morceau de fromage pour avoir la paix. Bien sûr. En tout cas, et vous, vous avez bien dormi à part ça? Oh oui, moi oui. J'ai eu des beaux rêves aussi, mais dans le mien, il n'y avait qu'une personne. Oh Linda, laisse-moi deviner. Qui était cette personne? Gilles? Oh, comment tu es devenu? Mon petit doigt. Mais c'est vrai qu'il est de plus en plus dans mes rêves, mais je ne sais vraiment pas ce que je vais faire. Oh. Moi, je devine. Salut tout le monde, priorité pour moi aujourd'hui. Allez hop. Ça change des autres jours au moins. J'ai pas envie de faire de l'humour. Bon, si, tiens, quand tu auras fini de jouer dans ton petit bocal à poisson rouge, tu peux sortir du bain, s'il te plaît. Je suis pressée. Ah bon, mais qu'est-ce qui t'arrive, toi? Eh bien, aujourd'hui, je prends mon petit déjeuner avec Marc. Il y avait longtemps. Non, mais, maintenant qu'il est célibataire, j'ai 100% de chance de croire qu'il va m'avouer qu'il est amoureux de moi. Oh, oui. Eh bien, si ça manquait vous, moi, je sais que j'ai raison. Vous verrez. Ok, on a rien dit, je sens mon maman. Bonjour Lali. Je suis désolée, je suis un peu en retard, mais c'était des embouteillages dans la salle de bain. Y a pas de souci, c'est moi qui étais un petit peu en avance. Ah bon, alors ça va, je peux m'asseoir? Bien sûr. Merci. C'est Lali, ça m'a fait très plaisir ton petit coup de fil hier soir. Ah ouais, c'est vrai? Ouais, je me sens pas très très bien en ce moment. Mais attends, mais je suis là moi, c'est vrai, si tu te sens tout seul ou si t'as besoin d'amour comme moi, ben je suis là. Ouais. Je commence à mieux te comprendre maintenant, Lali. Et dis-moi alors, c'est vraiment terminé avec Camille? Oui, ben c'est terminé, elle est partie. Ah. Et t'étais vraiment amoureux d'elle? Tu sais, 10 ans, ça s'oublie pas comme ça. 10 ans? Mais attends, tu l'as connue à quel âge? À 14 ans? Oui, on s'est rencontrés au lycée. J'avais à peu près 15 ans, ouais. 15 ans. Et vous êtes amoureux l'un de l'autre depuis que t'as 15 ans? Disons que oui. C'était drôle, tiens, je peux même te raconter. C'était le jour de la rentrée des classes. Elle est arrivée, elle avait des petites nattes sur les épaules. Elle était timide, elle arrivait de province, donc elle connaissait personne. Moi, pareil, un peu trop timide aussi. Elle s'est assise près de moi, on s'est souri et on s'est plus quitté. Ah, bah c'est sympa. Et vous êtes tombés amoureux tout de suite l'un de l'autre, comme ça?
Oui, enfin moi j'étais un peu trop timide pour le lui avouer. Mais bon, on a mis une petite semaine pour se prendre la main. Et j'ai mis au moins 6 mois avant de l'embrasser, tu vois. C'est mignon. Alors c'était ton premier amour? Oui, mon premier amour. Eh ben dis donc, 15 ans. T'es pas un petit peu attardé comme garçon? Oh mais les filles m'intéressaient pas trop. J'avais des potes, on allait au karaté, on faisait de la musique. Les filles me faisaient un peu peur, à vrai dire. Ah oui, mm-hmm. Et maintenant? Je crois qu'elles me font toujours peur. À part Camille, t'as pas eu d'autres fiancés? Non, 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 ça me venait même pas à l'esprit. Ah bon, t'as jamais trompé Camille? Non, j'ai jamais vraiment eu envie. Mais c'est beau, c'est beau. Tu sais, moi, avec Sébastien, c'est pareil, quoi. Enfin, je crois que je t'en ai déjà parlé, non? Oui, je sais que t'étais très amoureuse de lui. Ouais, ouais, c'est vrai. J'ai jamais vraiment trompé. En fait, je pensais que c'était l'homme de ma vie, et puis il m'a fait comprendre que non, quoi. Mais tu sais, Lali, je crois qu'on ressent la même chose, toi et moi. On a le sentiment d'avoir été abandonné et que plus rien n'existe. Ouais. Et dis-moi, c'est vraiment à cause de moi qu'elle est partie, Camille? Je sais pas. Je sais pas. Ce que je sais, c'est qu'elle était jalouse de toi. Je suis désolée. Mais t'as pas à être désolée. T'as pas à être désolée du tout. C'est le destin. Ouais. Tu crois, toi, au destin? Eh oui. Hélas, oui. Ben moi, j'y croyais pas. Et puis, quand Sébastien m'a quittée, je me suis mise à me poser des questions. Je te comprends. Tu sais, souvent, quand les gens vous quittent, il n'y a que les bons souvenirs qui restent. C'est ce qui fait le plus mal. Enfin, je suppose que pour toi, c'est pareil. Exactement. Exactement pareil. Bon, ben, fais comme moi. Il faut qu'on s'étourdisse, il faut qu'on profite de la vie, non? T'es une fille bien, Lali. Ouais, merci. Mais toi aussi, t'es un garçon bien. Ça vous plaît ce qu'on fait les filles? Oh oui, beaucoup. Écoute, j'aimerais bien que vous fassiez une cassette, comme ça je peux l'écouter dans la voiture. Oh. Avec plaisir, Linda, avec plaisir. Oh. Et toi, ça va? Ah ouais. Ouais, en effet, ça a l'air d'aller. Mais qu'est-ce qu'il y a, José? Ton nouveau santé ne te plaît plus? Si, si, il est parfait. Hé, hey, José, non mais t'as vu ta tête ou quoi? Qu'est-ce qui se passe? Ben moi je sais. Il est furieux parce que Lali est partie prendre le petit déjeuner avec Marc, voilà. Exactement. Vous n'auriez jamais dû la laisser faire. Ah oui, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse d'autre? Je sais pas, moi. L'en empêcher, par exemple. Oh, mais écoute, José, si ça lui fait plaisir de revoir Marc, c'est son doigt, hein. Non, mais attendez, ce type va encore l'entraîner dans des histoires pas possibles. Ça va mal se terminer encore, c'est certain. Mais il l'entraînera pas dans des histoires pas possibles. Tu sais très bien qu'elle est assez grande pour y aller toute seule. Et que ce soit Marc ou un autre, c'est pareil. Si ça doit tourner à la catastrophe, ça tournera à la catastrophe. Bah moi, je sais pas ce que vous en pensez, mais ce Marc, je trouve qu'il est très sympa. Quoi, sympa? Bah arrête, c'est une endive, il a aucune personnalité. Arrête, José, t'es vraiment méchant. Tu le connais à peine, ce garçon, hein? Ouais, bah ça me suffit, moi. Bon, dites-moi, Alice, ça fait combien de temps qu'elle lui court après, là, ce Marc? Deux ou trois semaines. Ah ouais, bah dis donc, elle est patiente pour une fois. Ah, bah ça prouve que la persévérance, ça paye. Mais attendez une seconde, arrêtez de faire comme si tout allait bien, là. Mais tout va bien, tout va bien. Non, je suis désolée, tout ne va pas bien. Elle a rien à faire avec ce type, c'est évident. Calme-toi, José. L'essentiel, c'est qu'elle soit heureuse avec lui, c'est tout. Ouais, t'as raison. Qu'elle fasse ce qu'elle veut de sa vie, bon et tout, c'est pas mon problème. Mais t'inquiète pas, on veille sur elle, oh. Salut. Oh, Lali. Ton petit déjeuner avec Marc est déjà fini? Ne parlez pas, j'ai rien mangé. Bah quoi, Alfredo n'a pas été livré ce matin? Bah si, mais non, c'est Marc qui m'a coupé l'appétit. Bah, qu'est-ce qui se passe, Lali? Il t'a dit pour la énième fois qu'il ne t'aimait pas et tu l'as enfin compris? Ça n'a rien à voir avec ça, José. Bah qu'est-ce qui s'est passé alors? Je suis un monstre. Oh non, c'est pas vrai. La vérité lui a sauté aux yeux. Là. Merci, mon Dieu. Pourquoi tu dis ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Mais parce que j'ai brisé un couple, voilà. Mais quel couple? Mais celui de Marc et de Camille, c'est un amour d'enfant. Ça fait 10 ans que ça dure et moi j'arrivais pas à t'attraper, je casse tout sans l'apercevoir. Attends, comment ça sans t'en apercevoir? Tu fais exprès ou quoi? Tu t'es immiscée dans leur vie privée, hein? T'as tout fait pour qu'ils se séparent. T'as dit à Camille que t'étais amoureuse de Marc. Comment tu veux qu'il craque pas?
Mais pourquoi vous m'avez pas dit que je faisais n'importe quoi? Oh! Attends, j'ai pas bien compris, là. Mais pourquoi vous ne m'avez pas dit que j'étais en train de faire n'importe quoi? Les amis, ça compte, c'est fait pour ça, non? Lali, ça fait 3 semaines que je te hurle dessus en te faisant comprendre de laisser ce type tranquille, t'as compris? Il fallait voir un veto pour tes oreilles. Toi, de toute façon, tu peux toujours parler, je ne t'écoute pas. Ouais, je m'en étais aperçu, ça. Tu m'écoutes jamais. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Qu'est-ce que je vais faire? Nul. Ça va, Lali, ça va? J'ai séparé 2 personnes qui s'aimaient, vous vous rendez compte? Eh, tu t'en rends compte maintenant? Remarque, c'est bien. Bon, ça va, arrête de retourner le couteau dans la plaie comme ça. Bon, écoute, de toute façon, ce sont les choses qui arrivent, d'accord? Et puis tu sais très bien qu'en amour, rien n'est définitif. Ils finiront sûrement par se retrouver un jour. Ça fait 10 ans qu'ils sont ensemble. S'ils se séparent aujourd'hui, c'est qu'à mon avis, c'est pour la vie, tu vois? Ben non. Pourquoi tu dis ça? Il y a pas de règle. Parce que en 10 ans, ils ont eu 50 fois l'occasion de se disputer et que s'ils avaient dû se séparer avant, je crois qu'ils l'auraient vraiment fait. Mais pourquoi j'ai fait ça, hein? Pourquoi? Mais Lali, t'as fait ça parce que t'es tombée amoureuse de Marc et que t'as eu envie de te battre pour l'avoir, c'est tout. Je suis même pas sûre d'être amoureuse de Marc. Oh ben ça, pourtant, t'as pas raté de nous le dire, alors. Ben ouais, mais bon, il y a des moments où je dis n'importe quoi. Ça, on savait, mais ce qu'on savait pas, c'est que t'étais au courant. Pourquoi j'ai fait ça? Mais pourquoi j'ai fait ça, quoi? C'est pas possible. Eh, mais c'est pas vrai. Qu'est-ce qui t'arrive encore? Mais Camille est avec un garçon. Bah écoute, elle est plus avec Marc, c'est son droit, hein. Alors tu vois, Lali, tu n'as pas à temps de vouloir. Elle s'est vite consolée, hein. Mais c'est pas possible. Oh, où est-ce que tu vas encore, toi? Eh ben, tu restes avec nous. Mais je veux juste lui dire que c'est pas possible, qu'il faut pas qu'elle sente. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un problème? Mais tu trouves pas que t'en as déjà assez fait comme ça? Tu restes là. Bon, c'est moi qui ai tout cassé, je peux réparer, non? Lali, reviens, hein. Mais laisse-la, tu sais, quand elle a une idée en tête. Et puis elle verra bien. Salut. Je voulais juste te parler 3 minutes. Non, non, pas toi. Bah si. Bah excuse-moi, quoi, c'est... Je peux te parler? T'inquiète pas, hein. Dès que cette nana met un pas dans ta vie, c'est pire qu'un cauchemar. Excusez-moi, bonjour, je m'appelle Lali. Bonjour, Philippe. Enchantée. Bon, tu viens, je... Écoute, Lali, ça va, tu as gagné, tu as voulu Marc, tu l'as maintenant, alors laisse-moi tranquille, arrête de m'embêter. Mais tu te trompes, moi j'ai jamais voulu Marc. Tu te moques de moi en plus. T'as tout fait pour l'avoir, alors maintenant laisse-moi tranquille. Oh là là, j'ai sûr que ça va mal tourner encore. Je crois que t'as raison, Linda, ça m'a l'air mal parti. Écoute, Lali, ça va, je t'ai écoutée. Alors maintenant, si tu peux me laisser tranquille, ça m'arrangerait, hein. Non mais attends, tu ne peux pas quitter Marc, c'est pas possible, t'as pas le droit de faire ça. C'est trop tard, tu m'as fait comprendre que Marc pouvait me tromper un jour ou l'autre. Mais non, mais en plus, c'est pas lui qui m'a draguée, c'est moi. Où est la différence? De toute façon, il aurait pu craquer sur toi. Ah ouais? Comment tu sais? Il te l'a dit? Non, de toute façon, je suis même pas venue pour écouter ça. Je suis venue pour te dire que de toute façon, même s'il l'avait fait, il aurait fait une grosse erreur parce que c'est quelqu'un qui t'aime. Écoute, Lali, c'est fini entre Marc et moi. Mais c'est pas possible! Si, et de quoi tu te mêles? Fiche-moi la paix! T'es vraiment trop bête, hein. Je te jure que tu vas finir par regretter. Écoute, Lali, c'est toi qui vas le regretter si tu continues vraiment, hein. Bon, bah d'accord, j'ai compris. Il y a vraiment des gens qui sont trop butés dans la vie, hein. Ah bah, ça te va bien de dire ça, tiens. T'en fais pas, mon vieux. Des nanas, j'en ai plein à te présenter. Tu vas voir, t'auras que l'embarras du choix. Et les petites infirmières. Il y en a des mignonnes, tu sais. Mmh. Tu pourras les draguer quand tu seras de garde à l'hôpital. Vous êtes sympa, mais j'ai pas vraiment la tête à ça, vous savez. Oh, t'en fais pas, les filles, c'est pas ce qui manque. Ouais, ouais, je sais, je sais. Mais regarde celle-là, elle est pas mal. Bah dis donc, mais t'as la cote, tu vois. Oh Marc, je suis contente de te trouver, il fallait que je te parle. Bon, mais qu'est-ce qui se passe, Lali? Tu la connais? Oui, Lali, une amie, je te présente Pierre, François et Claude. Ok, salut. Bonjour. Tout le monde. Il faut absolument que je te parle. Bon, bah ok, on y va. Bon, excusez-moi, hein. J'arrive. Mais Lali, mais qu'est-ce qui se passe? Elle a l'air tout affolée, là. Bah ouais, c'est Camille. Camille, il est arrivé quelque chose? Oui. Non, c'est pas ça. En fait, je l'ai croisée dans la salle de sport, elle était avec un type. Tu m'as fait peur. Quoi, je t'ai fait peur? Mais il y a de quoi avoir peur. Elle était dans les bras d'un type, tu comprends? Le type, elle avait l'air très amoureux d'elle. Et alors? Mais c'est pas possible, mais tu peux pas laisser faire ça. Mais c'est pas possible, Marc. Non, mais attends, mais j'ai plus aucun droit sur elle. Mais enfin, Marc, mais tu l'aimes encore, oui ou quoi? Écoute, Lali... Mais réponds-moi, franchement. Tu l'aimes encore? Oui, je l'aime encore, oui. Bon, bah si tu l'aimes encore, tu ne peux pas la laisser dans les bras de ce type.
Lali, écoute. Non, c'est toi qui veux m'écouter, d'accord? Moi, j'ai mis la pagaie entre vous. C'est à moi d'arranger ça, d'accord? Et qu'est-ce que tu veux que je fasse? Eh ben, écoute, je sais pas moi. Si Camille est partie, c'est bien parce qu'elle a eu peur que tu la quittes pour moi, non? Non, peut-être, mais bon. Bon, alors. Mais le résultat est le même. Je ne suis plus avec elle et je n'ai plus le droit de me mêler de sa vie, c'est tout. Chut, mais arrête de dire n'importe quoi. Tu vas quand même pas gâcher 10 ans de bonheur comme ça. 10 ans de bonheur comme ça, je sais pas. Il faudra que je m'y fasse. Je vais travailler dur à l'hôpital, j'aurai pas le temps de réfléchir et voilà. Je te finis de parler comme un robot, mais tu dis n'importe quoi. Mais tu peux réagir une seconde, là. Mais c'est ton premier amour, tu peux pas le gâcher, enfin. Il y a rien à faire, Lali. Ah si, il y a quelque chose à faire, tu vas venir avec moi. Mais où est-ce que tu veux qu'on aille? Viens avec moi, je te dis, débrouille-toi, allez, va chercher des affaires. Ok, j'arrive. Bon, excusez-moi, mais il faut que j'y aille, ok? Ah bah dis donc, toi, tu te remets vite. Oui, tu viens. Ok. Tu en as vraiment pour trop de chance. Voilà qui sera pas resté longtemps célibataire. Tu veux me faire faire, arrête, Lali. En plus, ils sont là, allez, viens. Mais regarde, ils s'embrassent. Non, moi, je ne veux pas voir ça. Oui, mais forcément, ça fait mal. Allez, viens, viens. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse maintenant? Je veux que tu viennes avec moi et tu vas lui dire que tu l'aimes. Allez, viens. Regarde, elle a l'air d'être très heureuse, là, sans non, moi. Non, elle n'est pas heureuse, elle fait semblant, mais tu vois. Mais où les yeux, t'es nue? Viens. Coucou, c'est nous. C'est pas vrai, c'est pire qu'un boomerang, cette fille. Plus on l'envoie loin, plus elle revient vite. Et toi, qu'est-ce que tu fais là? Mais rien, c'est elle qui m'a forcé. Bon, écoutez. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et puis qui c'est, lui? Lui, c'est son fiancé depuis 10 ans. Alors, la tête d'épingle, elle fait pas sa loi, d'accord? Non, mais c'est vrai qu'elle est vraiment pénible, cette fille. Non, toi, tu te calmes, d'accord? Fais attention, parce qu'avec elle, ça peut vite dégénérer. Bon, allez, viens, Lali, maintenant, on y va. Non, on n'y va pas. Écoute, il faut que tu comprennes que Marc est l'homme de ta vie, d'accord? Eh ben, moi, je veux rien entendre et je fais ce que je veux, d'accord? Bon, très bien, je comprends que tu sois fâchée contre moi, mais moi, j'en ai rien à faire de Marc. La preuve, c'est que c'est moi qui t'ai rapporté. Mais moi, je crois que t'es folle! Bon! Est-ce que tu peux essayer de réfléchir 2 petites minutes? Regarde l'endive avec laquelle tu es et regarde Marc. Non, mais je fais vous promets pas. Toi, tu restes assis, ok? Oui, tu restes assis, tranquille. Bon, écoute-moi bien. Réfléchis, tu vas faire une grosse erreur. Marc, il t'aime, il est gentil, ce garçon. Hein, il est fou amoureux de toi. Moi, je compte pas du tout pour lui. C'est vrai? Mais oui, c'est vrai. Depuis que je t'ai rencontré, t'es vraiment la seule à qui je tiens vraiment. Et je veux pas te perdre. Marc, je t'aime. Mais moi aussi, je t'aime. Je crois que vous pouvez partir. C'est fini. Mais d'accord, tel Cupidon plantant sa flèche au cœur de la cible, je... Ouais. Bon, bah raté. Ouais. Bah oui, comme d'habitude, c'est pas grave, hein. Non, c'était qui maintenant? C'est moi. Non. Jimmy, je te rappelle qu'on joue ensemble alors tu vises le centre de la cible. Ah bah t'inquiète pas, parce que je la sens bien cette porte. Okay. Vous vous rendez compte de ce que j'ai fait moi aujourd'hui? Oui, Ali, ça fait 1 heure que t'en parles. Non, parce que je trouve que je suis une fille bien. Ah. Oh, mais ça a mal animé, personne n'en doutait, tu sais. Bah, moi, il y a un truc que je ne comprends pas. Ali, t'étais pas amoureuse de ce Marc? Ouais. Non, bah, c'était juste une idée que je me faisais, c'est tout. Ah oui, et c'est chez lui que tu t'en es aperçu, bravo. Mathieu, aujourd'hui, j'ai réalisé pas mal de choses. Oh, non. Ah. C'est vrai, notamment, que j'étais pas du tout le genre de fille à piquer les copains, mes petites copines, quoi. Oh, mais tu fais des progrès incroyables, bravo. Tu les avais vus tous les deux comme ils étaient mignons, ils étaient tout choux, ils s'embrassaient, très amoureux. Tout ça grâce à moi. Je me suis dit, allez, tu devrais les filmer. Et si on achetait un caméscope, ça vous dit? Mais ce qui est drôle avec elle, c'est que ça débouche toujours sur n'importe quoi. Ouais, exactement. Lise, tu m'avais écouté plus tôt, ça t'aurait évité de patauger dans la semoule pendant des semaines. On ne comprend bien que ce qu'on vit. Ok, bah, je laisse tomber maintenant. Puis au moins, je mets du piment dans votre vie. Ça, c'est sûr. Oh là là, si tu n'étais pas là, on s'ennuierait tellement. Hein? Ne bouge pas, j'y vais. Bonjour. Excusez-moi, est-ce que Lali est là? Ouais. Lali, c'est pour toi. Entre. Quoi? Oh, Marc et Camille. Salut. Salut tout le monde. Salut. Voilà, c'est pour toi. Oh, des fleurs pour moi, mais pourquoi?
pour te remercier pour tout ce que t'as fait. Sans toi, ben, notre vie, elle aurait été gâchée. Ouais, faut qu'ils arrêtent la tisane, ces deux-là. Mais attends, j'ai rien fait d'extraordinaire. Si, si, t'as fait beaucoup. Lali, t'es une fille extraordinaire. Bah, merci. Attends, et tu veux pas le répéter un peu plus fort parce que j'ai pas l'impression que les autres aient entendu ce que j'ai dit.